que quand tu commences une saison qui était tellement bonne comme la saison dernière, tu te trouves dans une situation d'avantage qui est la connaissance des joueurs avec son entraîneur, les méthodes, l'état d'esprit et le groupe. Mais ça est aussi les mêmes choses sont les désavantages. Parce que tu connais l'entraîneur, tu connais les méthodes, et on n'a pas la nouveauté, l'état d'esprit est là, est bon, mais est-ce qu'il peut aller un peu plus haut? Là, c'est vraiment flagrant. Sans les supporters, le foot, c'est nul. On joue des matchs, on est content parce que c'est notre passion, mais le fait de ne pas pouvoir partager ça avec les supporters et qu'ils ne puissent pas être présents dans les stades, ça tue le football. Donc c'est comme ça, on peut pas faire autrement en ce moment avec la situation sanitaire. Il aime revenir sur son pied gauche pour envelopper, c'est ce qu'il fait. Florian Thauvin adore revenir sur son pied gauche. Souvent il enveloppe, d'autres fois il frappe coup de pied. C'est la deuxième option qu'il a choisie pour lancer la saison olympique de Marseille. Florian Thauvin est de retour, l'OM aussi. Au stade Francis Leblay, la victoire de l'Olympique de Marseille. L'OM réussit sa rentrée en Ligue 1, Uber Eats. C'est bien un second poteau pour Florian Thauvin qui avait passé 471 minutes avant ce match sans inscrire le moindre but sur la pelouse du Parc des Princes. Et il est là sur ce coup franc magnifiquement donné par le pied droit de Dimitri Payet. Centre de Florenzi et la première parade énorme, la parade, et c'est pas terminé face à André Di Maria, parade de Stéphane Mandanda. Quelle occasion! C'est juste une trop grande excitation et ça en fait de plus parce qu'ils avaient déjà été avertis pour Benedetto. Voilà, c'est Neymar. C'est Neymar qui... Le centre vert, attention à Mouma, la frappe et le but. L'ouverture du score de Romain Mouma. Nordin, le petit ballon pour Denis Banga. Denis Banga, peut-être face à Mandanda. Denis Banga, la frappe et le deuxième but. Sifflé, c'est terminé. La victoire de l'AS Saint-Étienne ici à l'Orange Vélodrome. L'OM concède sa première défaite de la saison. Thank you.
des compétitions, la Ligue des Champions. Bonsoir à tous et bienvenue au stade Karaïskaki pour cet Olympiakos Olympique de Marseille. Première journée du groupe C. Là on est bien. Que ça fait du bien, que ça fait du bien, vous entendez cet hymne de la Ligue des Champions. 7 ans après, donc, l'OM fait son grand retour. Seul club français à l'avoir remporté cette compétition. Il faut le rappeler, c'est un match qui va se dérouler à huis clos. Hein. Cela peut être un avantage. Il est au fond, il faut la mettre au fond. Et Thauvin derrière qui arrive. Oh là 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 là, mais quelle opportunité monstrueuse, Dario Benedetto. Attention Valbuena, c'est parfait. Et Ahmed Hassan vient crucifier les Marseillais. Ahmed Hassan vient gâcher les retrouvailles de l'OM avec la Ligue des Champions. C'est pas possible, ils sont maudits les Marseillais. Merci beaucoup Flan, merci à vous. Décalage jusqu'à Hiroki Sakai qui a trouvé Thauvin dans l'intervalle, ça c'est intéressant pour Florian Thauvin qui va pouvoir l'enrouler et marquer un but sublime, un but somptueux, une spéciale Florian Thauvin. Il ne manque que le public pour faire de ce but une merveille, 1-0 pour Marseille. Innovation, le centre de Pap Gueye qui est là, qui va frapper et qui a marqué un but magnifique. Pap Gueye, le centre en retrait de Dimitri Payet était magnifique. La tête de Gueye. Alors, que réclament les Rennais? Une faute de Balerdi sur l'incompréhension totale. Le carton rouge pour Pap Gueye.
changer ma vision, ma direction. Je veux rien de l'OM, rien de l'argent de l'OM et de Franck. Je veux seulement partir par rapport à une différence sur la politique sportive. Comme président de l'Olympique de Marseille. Je viens de l'apprendre comme ça, communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. Benedetto excentré côté gauche,
qui a vu l'appel de Luis Enrique, qui a réussi à remettre ce ballon dans la surface. Et la tête de Mikel Cuisance, la libération pour le joueur prêté par le Bayern, en difficulté depuis son arrivée, c'est lui, le sauveur marseillais. Et là, en revanche, peut-être la dernière occasion, elle sera pour Marseille avec Milik, la frappe. Il est bon ce but, il est bon tout seul, il y est allé. Au contraire, il y a danger maintenant avec ce centre. Oh, quel but! Quel but splendide de Florian Thauvin! Deuxième poteau! Oh, deuxième poteau, là encore la précision de Payet. Encore Milik sollicité la remise pour Dimitri Payet. Oh, magnifique! Oh, exceptionnel, Dimitri Payet! Payet qui laisse à Lirola. Lirola qui va attaquer, la frappe de Lirola. Un double incroyable pour Paul Lirola. Côté droit, le centre, le coup de tête et l'ouverture du score de l'OM, Arkadiusz Milik. C'est parti et c'est au fond, ça fait 3-2 et regardez la joie énorme du président marseillais dans la loge présidentielle. Quelle image! Partout pour l'OM, c'est parti et c'est au fond, l'égalisation marseillaise, ça fait un partout, histoire de pénalty.